Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Destiny 2. Nous sommes toujours sur la malédiction d'Osiris, hein, l'extension 1. J'ai réinstallé tous les drivers du jeu, enfin tous les drivers de mes cartes graphiques, tout ça, tout ce qu'il y avait à faire pour espérer résoudre le problème de chat, de texte. Comme vous pouvez le voir, ça semble avoir fonctionné plus ou moins. J'attends d'être en mouvement pour voir un petit peu les différences. Pourtant, ça me semble pas excessivement net. Mais après, ça m'a tellement brûlé les yeux de les avoir vus tout à l'heure que... Bon, là, ça a l'air d'être assez efficace. On est donc plutôt bon. Donc, c'était simplement ça, tant mieux. Si ça ne l'était pas, tant pis. J'ai cru voir une forme derrière moi qui était, ma foi, assez agréable à regarder. Je ne la reverrai pas. Donc, voici celle qui a remplacé... Un bout d'armure qui a remplacé l'armure d'Optimacy. Alors là, elle est... Enfin, l'armure, vous savez, qui était à obtenir chez... Chez l'Eververseum. Bon, elle est pas très belle. Apparemment, ça, c'est la couleur qui va dessus. Donc, pour moi, ça, c'est un bug, surtout. Hein. Mais... Voilà. Elle peut être jolie, je pense, au bout d'un moment. À force de l'améliorer. C'était pas mon style. Tant pis pour moi. À voir ce qu'elle vaut en termes de stats. C'était la récupération qui prévalait... Avant la mise à jour, à voir si ce sera toujours comme ça au niveau de la suite. Ici nous avons ça. Donc j'ai mieux. Donc je vire. On va essayer d'aller au bout des choses. De toute façon il faudra que je fasse... Donc du coup en attendant ce qui se passait, c'est que j'ai tourné un petit peu sur les différents forums du jeu. Je n'aurais peut-être pas dû... Merci de votre visite chez Eververseum. Il y a énormément de gens déçus. Ok, c'est ça que j'ai eu. Un reskin de celui que j'ai déjà. Faire la poussière, réorganiser l'inventaire. Tout n'est pas encore parfait, mais j'y travaille. Ok, alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu, vous savez, j'ai pris le pack débutant. Enfin, pack débutant, c'est tout est relatif. Ah oui, alors je dois avoir laissé du coup un... Vérification. Ouais, bon, ça je ferai ça une autre fois, ce n'est pas grave, ça reste là aussi longtemps que je le souhaite. Ce n'est pas un problème, mais voilà, j'ai pas eu de chance du tout en termes d'objets dans les... J'ai eu que des trucs en rapport en fait avec les choses précédentes. Et j'ai eu que des... Alors, pour l'instant, dans mes engrammes, j'ai eu que des armes puissantes. Ah non, c'est une arme énergétique, pardon, tant pour moi, excusez-moi. J'étais sur le point de péter une durite. Bon, bah, n'empêche que... Ah, ça dépend, si je fais ça, il... Ah, j'ai pas les lumines qu'il faut, tant pis. Oui, c'est parce que j'ai beaucoup farmé... J'ai beaucoup farmé en règle générale les mods, en espérant que j'en aurais assez pour le début de l'extension, mais finalement ça ne valait pas le coup de les prendre pour le début de l'extension parce qu'en fait on tombe direct. Je pensais qu'en fait ça allait rester dur de monter, mais finalement voici donc venir la fin. Mémoire vive. Et moi qui pensais qu'après la guerre rouge nous aurions eu un peu de temps pour souffler, je refuse d'abandonner. Une chose est sûre, les Vex sont méthodiques. Ils ont forcément un plan de leur forêt, une carte. Il est beau, hein. Celle-ci devrait nous mener jusqu'à Panoptes. Et il n'y a qu'un seul endroit où ils peuvent stocker autant de données. Il est beau, il est beau, il est beau. Pyramidion sur Io. Tu vas pas me dire que je vais retourner dans le... Alors voilà une des grosses déceptions. Bon, je vais prendre celui-là. Hop. Une des grosses déceptions, apparemment, des joueurs... C'est que il y a peu de missions et on passe peu de temps sur Mercure. Donc en fait, Mercure est toute petite en termes de zone. On verra si c'est le cas ou pas. Mais je reconnais moi là qu'on me dise ouais, t'as débloqué une nouvelle planète. Ouais, il faut pas que t'ailles dessus pour avancer. Ouais. Et le véritable vrai problème apparemment, ce serait qu'il n'y ait que 5 missions. On en est déjà à la troisième. C'est vrai que si je fais 17 vidéos sur l'aventure 1, enfin sur le jeu de base, et que j'en fais que 5 sur le suivant, en soi ça me dérange pas. Hein. En soi ça ne me dérange pas. Par contre, les mecs qui ont payé 20€ pour avoir ça, sachant qu'en plus, ceux qui ne l'ont pas payé n'ont plus accès à la nuit noire, n'ont plus accès à plein de choses. Et bah franchement, je trouve ça très 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 mal. Clairement... Avant la sortie de la mise à jour, enfin l'extension, ils nous ont montré tout ce qu'ils voulaient faire, donc ils ont montré une belle pomme. Et la sortie de l'extension, ils nous montrent un trognon là pour le coup apparemment, hein.
Grosso modo, c'est ça. Hein. J'ai rien contre Bungie. Au contraire, hein. Pour moi, Bungie, c'était les mecs qui avaient créé Halo. C'était des dieux, quoi. Hein. C'était des... Ah, différent, le bruit, effectivement. C'est... J'arrive. On va faire l'événement, hein. on est là. Quel joli atterrisseur abandonné là. Fermé, tout oui. Seul. Allons nous en emparer. Tant que vous pouvez l'éloigner, loin de moi. Pérébé, pérébé. Je sais pas grave, hein, si on fait l'événement, si les épisodes sont longs. Pourquoi moi? Je vais m'occuper d'eux. Voilà, bouffe! Oh, oh! Tellement chanceux! Ne pas rester là, ne pas rester là, ne pas rester là, ne pas rester là! Ah! Marcus, concentre-toi! Marcus? Vous pouvez passer ton skill, Marcus! J'ai même pas eu le temps de tirer sur le vaisseau. Du coup, où es-tu? Ne te coupe pas comme ça. Bon, je me suis tué au passage. Mais on l'a eu. Merci les gens. Qu'est-ce que c'est? Les chiens? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Voilà. Emblème de la croisée des chemins, si tu veux. Ok. Waouh, il y a toujours autant de récompenses là-dedans. Hein. Cabales, fait sauter des véhicules, catastrophe. Pulvériser un de leurs commandants. Oui. Comment avez-vous deviné? Alors normalement, je dis ça pourquoi? Avant que vous disiez que oh ils gueulent toujours. Parce que normalement justement, ils sont censés avoir augmenté le nombre d'objets, réduit le nombre d'objets bleus qui sort des coffres d'événements épiques et augmenté le nombre d'objets violets. Je veux bien, hein, mais honnêtement, là, j'ai surtout l'impression qu'on se moque un peu de moi. Hein. Bon, après, l'extension est pas moche jusque là. Ce qui m'emmerde le plus, c'est d'avoir à revenir sur des planètes déjà connues. On a fait la Terre, bon, d'accord, c'était prévu, il y avait un truc exprès pour. On avait retrouvé la zone, pardon, excusez-moi, c'est parce que c'est le plaid qui se barre. On avait trouvé la zone avant qu'elle ne sorte, donc c'est normal qu'il fallait la montrer, si je puis dire. Ça montrait que le travail qu'il faisait était déjà... Bah, t'es déjà bien avancé. Maintenant, vous êtes certaine qu'il y a une carte de la forêt infinie ici? C'était au mois d'octobre. Si et ça voudrait dire qu'une grosse partie de l'extension était faite un mois après. La carte se trouve une mission de l'extension était faite un mois après la sortie du jeu. Autrement dit, je n'ai... Bah, comment ils peuvent avoir réglé tous les problèmes de Destiny 2, sachant que un mois après le jeu, ils étaient déjà à la mission 2 de Osiris, si je puis dire. Vous voyez ce que je veux dire? Je connais une astuce avec cette déchirure. Ok. Je connais une astuce. Au bas, gauche, droite, AB, LT, RT. Préparez-vous pour le comité d'accueil Vex. Oh, tiens. Il se passe exactement la même chose dans un assaut. Je suis désolé, hein, mais là pour le coup, c'est flagrant. Comité d'accueil? Ou pas. Ouais. Vous avez accès au raccourci. Oh, tiens. Je sais que nous ne nous... Elle appelle ça un raccourci, mais c'est un assaut. Vous étiez aux commandes du groupe. Et qui on aurait pu prendre par gardien. Là. Mais non. Ça ne m'a pas plu. On passe par là. Et les gens n'étaient pas prêts pour ce qu'Osiris racontait. Oh là là. Ce n'était pas seulement ses prophéties. Il n'a jamais compris qu'être arcaniste signifiait bien plus que d'être la personne la plus intelligente dans la salle. Osiris a changé. Et vous? Vous semblez être toujours aussi conformiste, Ikora. N'en suis pas si sûr. J'ai beaucoup appris en perdant ma lumière. Tu permets? Je sais maintenant que je dois dépasser qui j'étais. Peut-être que c'est notre cas à tous. Là je suis désolé, par contre là c'est de la déception pure. Je suis désolé, une mission identique. Un assaut sur une extension payée 20€ dans un jeu qui comportait déjà la mission. C'est absolument... Là, franchement... Si vous vouliez de l'argent, faites un Kickstarter, hein,
Bungie, hein, mais ça, c'est absolument... Ça devrait pas exister. Clairement. Clairement. Alors, si en plus l'extension est courte et qu'elle ne présente que... Enfin, s'il n'y a que 5 missions. Imaginons qu'il y a bel et bien 5 missions dans cette extension. Une se passe dans la ZDME. Zone inconnue, mais ZDME. Une autre se passe dans le Pyramidion, en corrélation quasi exacte avec l'assaut. Ça commence à faire beaucoup. Bon, là, on est plus... Super. Si. On dirait qu'Ikora avait raison. Mes analyses indiquent que le Pyramidion reçoit bien des données de la forêt. Là, normalement, c'est censé être difficile. On est censé passer. Là, on est censé avoir un piège qui n'y est pas. À croire que c'est l'assaut en facile, quoi. C'est exactement ça. Alors là, ça, ce n'est pas normal. Voilà, il n'y a pas le piège. Oh là là! Bungie. Je peux reprogrammer le portail de distorsion. Ça devrait nous rapprocher de la déchirure. Eh bah écoute... Je demande qu'à te croire, hein, mais là on a fait un tiers du, ouais, je dirais un bon tiers du comment du de l'assaut. À nous tout seul, hein. Alors je dis pas par là que l'assaut est pas bien, hein, je dis juste que l'extension là par contre elle recycle. Super ici. Oh. Nettoyage sur l'allée 3. Oui, je suis désolé, je suis un peu silencieux, je suis vraiment dégoûté d'avoir à faire cet assaut. Là, j'espère sincèrement. Les calculs sont prêts. Vous n'avez plus qu'à sauter à travers l'arceau. On va pas se retrouver. C'est la suite. Eh ben, ça n'a pas aussi bien marché que prévu. La Sagira que je connais n'est pas du genre à accepter rien de moins qu'un niveau de perfection digne d'Osiris. Ikora, je vais vous confier un secret. Personne n'a jamais été à la hauteur de la réputation d'Osiris. Pas même Osiris. Mmh. Ouais, alors là franchement... Je suis pas d'accord. Là. Alors, non seulement parce qu'en plus je connais des gens qui m'ont dit... Voilà, j'ai dit aux gens, voilà, le pass d'extension est à 35€. Mais l'extension est à 20€, j'ai dit sur le Discord. Et franchement, si la personne l'achète maintenant, je vais me sentir mal. Je vais me sentir mal parce que il y a une espèce de rançon, effectivement, comme certains le disaient sur les forums, en disant. En disant que voilà, on n'a plus accès à certaines activités du jeu original. Bon, déjà ça je trouvais ça un peu petit. J'ai rien touché. Oula. C'est pas le bon endroit pour faire ça, là. Bonjour vous. J'espère que tu mourrais du premier coup comme ça. Mais là clairement on a du recyclage qui n'est pas honnête.
c'est pas honnête. C'est pas honnête. Je me répète, hein, mais là, c'est pas honnête. En tout cas, en plus, il faisait la promotion d'autre chose. Il faisait la promotion d'autre chose. Quelques jours avant la sortie de l'extension. Je suis désolé. Je suis désolé, ce n'est pas honnête. Laisse-moi tranquille. Je pète les couilles. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas honnête les munitions. Ça, vous voyez, ça. C'est l'assaut, c'est le boss de l'assaut qu'on va voir là normalement. Donc là on va pas avoir ça j'imagine, heureusement. La déchirure est pas loin, mais les Vex doivent être en train de la dissimuler. C'est une version simplifiée de l'assaut normalement là si tu... Enfin... Je suis désolé, là ça... Là je peux pas supporter la mise à jour, enfin l'extension. Attention, pour ça. D'autres ennemis arrivent. C'est exactement ça. Si tu me fous des portails de protection, honnêtement... Je vais me sentir tellement mal. Je suis désolé, hein, mais je vais me sentir tellement mal. Si la personne me dit qu'elle l'a acheté parce que je lui ai dit qu'il était qu'à 20€. On va voir. On va laisser une chance. On va essayer de pas écouter ce que disaient les gens sur les forums. Peut-être que c'est une mise à jour épisodique. Peut-être qu'il va y avoir une ou deux missions par semaine qui vont sortir. Pour faire revenir les joueurs, comme ils ont dit. Eh, faut y croire. Faut y croire. Il faut y croire. J'ai du mal à y croire, c'est pour ça que je le répète. J'essaie de m'auto-persuader. Acheveur, mais je suis même pas en danger. C'est ça qu'il aurait fallu des ennemis qui se reconstruisent. Ça aurait été tellement stylé. Destruction massive, hein. Voilà. Et on a masse munitions autour. Mais là, ça je suis désolé. Ça. Là il y a zéro travail ou presque là-dessus. Zéro ou presque. C'est... Attendez, j'ai quelque chose. Illégal. Les coordonnées d'un noyau de données dans la forêt infinie. C'est là que notre carte doit se trouver. Ouais, niveau 22. Je suis désolé, hein, je peux pas mettre plus en train. Donc, mission 3. Recyclage. Voilà, mission 3, recyclage. Du coup, les amis, on va cesser là pour 18 minutes de mission. Sachant que je me suis amusé avant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de l'aventure de Destiny 2. On verra bien ce que ça donne. Voilà, là, grosse déception, hein. Le recyclage, ça devrait être illégal dans le cadre d'une mise à jour, d'une extension. D'autant plus quand c'est un assaut qui resserre d'histoire. Recycler un événement public, pourquoi pas, après tout c'est un événement public. S'ils en créent d'autres, ça tourne, etc. Mais là, recycler un élément d'assaut... pour le transformer en... donc un élément endgame en élément d'histoire, c'est illégal. C'est pas normal. Ça devrait être interdit. Je n'ai pas d'autre terme. Ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas se faire. Ça ne devrait pas se montrer. Pas dans un jeu payant. Dans un jeu free-to-play si tu veux. Mais pas dans un jeu où tu payes et où tu payes l'extension derrière. C'est pas normal. Voilà. Salut les gens.